Dans l'esprit de l'été indien, une œuvre à la signature sombre, dans son jus d'art brut et de figuration libre, fige les derniers instants de l'homme coupable de mainmise sur un monde victime de son déséquilibre. Si la fin est le commencement d'un renouveau assuré par une domination exclusive et souvent abusive, contraint de se plier à cette loi, la nature en bonne constitution reprend toujours ses droits par ordonnance exécutive. Entre deux dépressions, l'être humain, en dépit des forces opposées qui le traversent, par les voies de sa main droite et gauche, se réfère sur la vie à une dualité illogique et adverse. Du point de vue initiatique, l'une prisonnière enchaînée à son pied est assimilée au bien, mais l'empêche d'avancer. L'autre, totalement libre, mais opposée à la raison, fixe sur les cendres des bois la base de ses fondations insensées. Si la mort du grand chêne à coups de millions, la continuité de construction ultramoderne se poursuit, ce comportement totalement inconciliable dans sa forme actuelle rend caduque tout avenir de survie. Au pied du mur, peu aspire dans une synthèse nouvelle à combattre la herse qui écorche la terre. Sans réflexion précise mais fidèle dans l'idiosyncrasie, vagabonde les adultères. Bien tardivement, la cause est précieuse, loin des métaux, plus particulièrement pour l'argent. En culotte courte, l'adulte immature vient solliciter le dernier arbre dans l'espoir de protéger ses enfants. Pendant qu'il contemple ses présents, ses chaînes couleur noire identifient sa peur, coupable d'actes éhontés. Avec tout son crédit et le vécu de ses frères morts à ses pieds, malgré tout, le chêne affectif l'épaule par bonté. Responsabilisé dans ses erreurs, la résultante de ses revendications ridicules passées reste un leurre. La victime, plus ignorante par motif de démission, reste avant tout agresseur. Concevoir à ses dépens de l'indispensabilité de la nature, à contrario qu'elle n'avait pas besoin d'espèces parasites, depuis la nuit des temps, du plus savoureux au plus toxique, il aura demeuré bien plus dangereux que la manite. Tandis que l'ensemble des composants de la planète protégeait l'environnement depuis des années par millions, son passage pour un temps, parsemé de répressions légales ou sommaires, n'a récolté que dévastation. Une terre grise, polluée, défigurée par le béton, associée au peu d'oxygène pur présent dans le bleu du ciel, aux toits végétalisés, ces constructions bénéficient de jolies couleurs pigmentées que de chimie artificielle. Dans l'observation des règles primitives, la génération future sans avenir payera les erreurs de ses aînés. À perdre ou à gagner, pour le choix dans leurs actes, probablement que cette question se devait un jour d'exister. Sans omettre l'Armageddon, quand l'aube de l'humanité prophétisait déjà l'abomination de la désolation, la finalité pourrait diverger sur les modalités qu'un arbre ne peut subvenir seul aux besoins de toute une civilisation. Convaincu visant à améliorer le fonctionnement des réformes en changement de caractère radical et profond, soit terrien relatif au monde rural en rien sauf pour la forme, soit terrien en tout point sauf pour le nom.